Mais bonjour, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est aujourd'hui DesignGo avec sa marque phare GoTravel. Donc DesignGo est une société britannique qui a à peu près 50 ans d'existence et qui est entièrement dévolue à la collection d'accessoires de voyage. Aujourd'hui, elle représente 240 produits qui se renouvellent régulièrement tous les ans, à tout coup, environ 15 à 20 produits par an. Elle est très connue pour la qualité de son design et de ses packaging et son merchandising, dans la mesure où tout est conçu par l'agence intégrée de design de la société. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 60 pays. Elle se développe rapidement encore, entre 20 et 30% par an, et notamment sur le continent nord-américain. En France, aujourd'hui, nous avons une très belle implantation, notamment parce que nous sommes présents sur tous les aéroports et les gares de France et de Navarre. Nous avons des raisons pour cela. En fait, tout notre système de distribution a été conçu pour pouvoir servir d'abord les détaillants, même si on est très bon sur les grands comptes. Nous avons les petits franco, 200 euros, nous livrons les produits par 5, ce qui fait qu'on ne prend jamais beaucoup de risques quand on achète des produits chez nous. Nous avons un merchandising extrêmement efficace, que ce soit à travers les packaging très attractifs de la gamme ou par les présentoirs sous forme de grilles ou de tourniquets ou de présentoirs de salon. Très belle collection donc, de présentoirs qui sont bien sûr offerts à nos détaillants dans la mesure où leur commande va les remplir. Nous livrons en 8 jours à partir d'un entrepôt continental dont les dimensions sont incommensurables par rapport aux besoins de chacun d'entre eux, ce qui fait qu'on a très rarement des ruptures. Et en un mot, eh bien, en gros, on porte leur stock, ils n'ont pas besoin de porter de stock en réserve, on livre très rapidement, à part quelques gros produits comme les oreillers de voyage qui peuvent partir très vite et qui peuvent nécessiter d'en avoir quelques-uns en réserve. Voilà. Nous sommes présents donc effectivement partout, très visibles, aéroports, mais aussi grands magasins, chaînes de sport. On commence un peu dans les pharmacies, on est un peu dans les bureaux de tabac, on est un peu sur les autoroutes, enfin je veux dire, bon. Tout ça se développe dans un univers du travel retail qui effectivement se généralise. Enfin, beaucoup de gens s'y intéressent et donc tout va bien.